Là, on est dans ta pépinière végétale 85 en Vendée. Salut Franck. Donc, est-ce que tu peux nous parler là d'un peu de tes asies miniers? T'en as un paquet, vous en vendez un paquet de variétés. Oui. Et il y a des variétés qui vont être auto-fertiles où on peut en mettre qu'un dans son jardin, on aura des fruits. Tout à fait. Alors, les trois variétés auto-fertiles en asie minier sont Prima, Sunflower et Kentucky Champion. Donc, Kentucky Champion, son intérêt par rapport aux deux autres, c'est que c'est vraiment la plus précoce en maturation du fruit. Ensuite va venir Prima et en dernier lieu Sunflower. Et donc ces trois variétés-là sont auto-fertiles et donc une seule plante suffit dans votre jardin pour pouvoir récolter des fruits. Et Summer Daylight, c'est pas la plus précoce? Summer Daylight, si, c'est la plus précoce. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah là, tu disais que c'était ah non, y avait Prima, Kentucky. Je parlais de Kentucky Champion. Alors Summer Daylight, oui, elle est encore plus précoce, mais par contre, elle n'est pas auto-fertile. Ok, et là au niveau des calibres des fruits, en fait, on va retrouver des fruits d'à peu près le même calibre ou il y en a qui ont un calibre plus gros? Alors, il y a des petites différences, mais surtout les différences entre les fruits. Ce qui est important, c'est 1) la date de maturité et 2) la quantité de graines, parce qu'on a des variétés qui ont beaucoup de graines, donc c'est un petit peu plus compliqué à consommer. Après, voilà, en termes de calibre, ça va surtout dépendre de la quantité d'eau qu'il y aura dans le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous les asiminiers, le seul problème qu'on peut avoir, c'est vraiment des problématiques de manque d'eau pendant l'été. Aux États-Unis, c'est un fruitier qui pousse naturellement au bord des cours d'eau, donc c'est vraiment gourmand en eau. Donc par contre, c'est un arbre qui va vraiment bien supporter les sols lourds, l'inondation. Oui, qui, oui, très bien. Qui est, très bien. Donc quand on est dans un sol argileux... Il n'y a aucun problème, juste ça pousse assez mal sur les sols très calcaires. Et sec. Et sec. Et alors, le fruit, c'est vraiment un fruit qui est un peu particulier. C'est un truc, ça va avoir un parfum entre la mangue, les fruits... C'est ça, en fait. La goyave, des trucs ouais, un peu... Ouais, alors en fait, nous, on a l'habitude de dire qu'effectivement, en termes de goût, c'est entre la mangue et la banane. Et en termes de texture, c'est proche d'une texture d'un avocat qui serait très mûr. C'est une texture crémeuse qui est très, très agréable. Par en purée avec plein de graines. Voilà. Et entre les différentes variétés, est-ce qu'il y en a qui ont des morphologies? On n'a pas constaté. Alors nous, c'est un arbre qu'on connaît bien parce qu'on le cultive depuis plus de 10 ans. On en a environ 20 variétés différentes fruitières en pleine terre. Il n'y a pas vraiment de grosses différences de développement et de port de l'arbre. Ce qu'il faut savoir, c'est que autant dans la nature, aux États-Unis, c'est un arbre qui peut faire 20 à 25 mètres de haut. En culture, sous nos climats, sur des variétés fruitières greffées, on va plutôt être entre 3 et 5 mètres. Et c'est une croissance qui est quand même relativement lente. Pour donner un exemple, j'en avais filmé un au parc botanique de Strasbourg. Il avait 25 ans, il faisait 3 mètres 50, 4 mètres de haut. Oui, quoi. Voilà, donc on est dans la bonne moyenne. Il y en a aussi des pieds assez anciens au parc du Grand Blottereau à Nantes. Il y en a deux spécimens issus de semis qui ont une quarantaine d'années. Ils font 6-7 mètres de haut. C'est un arbre qui va produire à peu près combien de kilos de fruits par an? Alors, ça va produire, nous, ce qu'on propose, c'est uniquement des variétés fruitières, donc issues de greffage. Sélectionnées. Voilà, et donc ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'un asiminier issu de semis, il peut mettre 20 ou 25 ans avant de monter à fruits, et il n'est pas auto-fertile, comme on l'a dit. Le fait de passer par la greffe, on va avoir une mise à fruits qui est quand même beaucoup plus rapide, entre 3 et 5 ans, mais on peut avoir à terme 25 à 50 kilos de fruits sur une plante. Le produit standard chez nous, c'est une greffe de l'année, donc un sion qui est dans un conteneur de 5 litres spécial, hein, comme vous avez vu ici. Puisque l'asiminier, c'est une racine pivot. Voilà, profonde. Ça pousse sur une racine pivot. Donc c'était vraiment important d'avoir un contenant spécifique pour cette plante. Donc là, on est en présence d'un sion. Donc c'est une greffe qui a été réalisée au mois d'avril. Donc on distingue bien la partie issue de semis, donc le porte-greffe. Et donc l'œil qui a été greffé au mois d'avril, qui s'est développé pour donner un sion qui va faire là à peu près 80 cm de hauteur. Mais voilà, une greffe comme ça, une greffe d'un an, ça va donner au bout de 3 à 5 ans. Et là on voit la greffe et on voit vous greffez votre chip budding. C'est ça, c'est ça. C'est un bourgeon par plant. Toc. Mince, je suis allé trop loin. Ouais. Toc. Et donc du coup, je vais venir ajuster mon petit greffon à la place. Donc, vous voyez, j'ai refait un peu la même incision et je viens le replacer à la place. Et donc vu que là, il n'a pas exactement le même diamètre, vous voyez, il vient d'un rameau qui était plus petit. Le diamètre ici, il fait 5 mm, ici, il fait 1,2 cm. Donc naturellement, il va falloir que j'ajuste le cambium. Mais on voit le cambium ici, il est là. Et ici, il est ici.
Donc là, on voit, il y a à peu près 2 mm, alors qu'ici, il y a moins d'un millimètre. Donc en fait, il faut que ce soit cette bande-là qui vienne coller à cette bande-là. Donc du coup, je ne peux pas l'ajuster des deux côtés. Si je le mets au milieu, il est ajusté nulle part. Donc il faut bien que je choisisse un côté, et il va être ajusté là à droite, mais pas à gauche. Donc le cheap budding, on l'a inventé juste parce qu'il y a des fois les corses, on n'arrive pas à l'ouvrir. Mais autrement, c'est la même méthode, hein. Tout est toujours un peu pareil, quoi. C'est toujours raccorder un bout à l'autre, quoi. Donc en gros, tu fais tes semis, et alors, ensuite tu vas chercher tes greffons ou tu achètes... On achète du jeune plant issu de semis parce que, un, le semis d'aziminier, c'est pas forcément simple. Il faut semer beaucoup de graines pour avoir quelques plants. Et puis après, nous, on va greffer sur des plantes qui ont déjà 3 voire 4 ans. Pour avoir un calibre suffisant pour pouvoir avoir ensuite une pousse qui soit intéressante. Conséquente, ouais. Ouais. Et on a sélectionné la méthode du chip. C'est pas la seule méthode de greffage, il y en a plein d'autres qui fonctionnent. Sauf que pour nous, pépiniéristes, l'intérêt, c'est que bah, voilà, avec peu de matériel, on va réussir à faire beaucoup de plantes. Ouais, parce qu'avec un greffon, tu peux avoir 20 bourgeons. C'est ça. Et si tu greffais avec. Si on faisait par exemple une greffe à l'anglaise, eh bien, on aurait 3 bourgeons par plante. Là, on ne consomme qu'un seul bourgeon. Ok, donc là c'est tes plants mères, d'où tu prélèves tes greffons ? Voilà, donc ça c'est des plantes qu'ont quasiment une dizaine d'années en pleine terre. Donc là, ce qui est rassurant, c'est qu'ici on est vraiment sur des terrains qui sont pauvres et de mauvaise qualité. Donc voilà, ça prouve que la plante elle tient bien en extérieur. L'année qui a été vraiment intéressante pour nous, c'est l'année 2022 où on a eu vraiment un été extrêmement sec avec des températures très hautes. Ici en Vendée on a eu 42 degrés et en fait ce qu'il faut savoir c'est que là on a un goutte à goutte d'implanté qu'on utilise uniquement l'été quand il fait vraiment très chaud, mais dans ces conditions là même avec les 42 degrés j'ai pas eu une feuille d'abîmée sur l'ensemble de la parcelle. Ils étaient nickel. Ah, j'en ai déjà vu à la pépinière du Bosque qui est à Saint-Privat à côté de Perpignan. Ouais, c'est ça. C'est très très résistant, que ce soit à partir du moment où il y a de l'eau au pied. C'est ça. Et donc là on voit des greffons dont on peut prélever sur un rameau, on va pouvoir prélever presque une dizaine de bourgeons, quoi. Et alors ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà à ce stade-là, on voit une nette différence entre les boutons floraux et les boutons à bois. Là en fait, le bourgeon quand il est rond comme ça, là, ça ce sont des boutons à fleurs. Le bouton est une espèce de petit pied de biche qui est collé au... Exactement, là on voit encore mieux sur cette branche-là, si on enlève les feuilles, c'est vraiment très net. Et on voit bien que les fleurs sont toujours à la base de la pousse de l'année précédente. Donc là, les fleurs, c'est les boules, et hop, au-dessus, et après, on est sur de la feuille. Voilà. Et donc, ce qu'il faut greffer, c'est ça. Et donc, ça, c'est les fruits de l'année prochaine. Exactement. Alors, ça fleurit au mois de juin. L'avantage, c'est que du coup, il n'y a pas de risque de gelée printanière. Toutes les gelées, on est tranquille. Et c'est pollinisé par les mouches, notamment. Et c'est aussi l'inconvénient, c'est qu'un peu comme la passiflore qui fleurit en plein mois de juillet, c'est en règle générale, on n'a jamais de problème avec les gelées. Par contre, on va avoir des problèmes avec les fruits qui viennent tard, en fait. C'est des... Oui, donc, alors, d'où l'intérêt de prendre des variétés précoces comme Prima. Exactement, d'où l'intérêt d'avoir des variétés précoces. Mais je dirais bien que dans la région jusqu'au sud de la Loire, on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Effectivement, sur des régions comme la Bretagne, la Normandie et a fortiori le nord de la France, là, il faut vraiment taper sur des variétés dont la maturité du fruit est précoce. Précoce, oui. Et donc des genres Summer Delight qu'on va associer avec Prima, comme ça du coup Summer Delight, Prima, effectivement, même Sunflower, ça passe. Leur fesse, elle n'est pas allumée. Donc bonjour Noémie, et c'est toi qui greffes tous les aziminiers ici. Oui, c'est ça, exactement. Et alors c'est à quelle période qu'on greffe l'aziminier ? Du coup, nous on les fait plutôt en avril-mai, mi-avril. Avril-mai, sous serre, oui, à chaud, ça, quoi. Exactement. Quand tu as une idée à peu près de la température idéale pour que ça prenne ou... Bah, souvent on est aux alentours des 20 degrés, c'est là où on voit que ça reprend bien, quoi. Ouais. Ça réagit. Ouais. Ouais, exactement. Donc pour le semis, ouais, ça nous est arrivé de laisser des sacs en frigo pendant un an, et c'est là qu'on a eu les meilleurs résultats sur la germination. Et je sais que j'avais un copain qui avait fait des tests aussi à Strasbourg, et qui pareil les avait laissés plusieurs mois, et en laissant le fruit pourrir, en fait, en laissant la graine en fait pourrir dans la chair. À l'intérieur du fruit. Je ne sais pas si vous faites la même chose aussi ou. Alors on n'a jamais fait, mais a priori c'est la graine fraîche qui fonctionne le mieux.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez télécharger notre e-book gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches, toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin, savoir greffer, bouturer, savoir quand greffer quoi, quand bouturer, quand multiplier à chaque saison, quand récolter aussi les semences, récolter toutes les sortes de légumes, les fruitiers rares. Vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié, qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière, le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots, les pois, les fèves, les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis. J'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies, comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible, comment voilà, tailler, bouturer, multiplier, ça vous avez ça dans le livre « Multiplication des ressources végétales ». Et bien sûr, vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations, dans nos cours de design, dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel, où en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous, travailler en équipe sur vos projets, faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves. Vous pouvez aussi nous faire des dons sur Tipeee, où vous aurez en contrepartie des e-books, des posters à télécharger, des fiches techniques, des astuces. N'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez, hein, que ce soit juste un like, un pouce, c'est déjà bien. Déjà, merci de nous suivre, merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts, et surtout, rappelez-vous bien, qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser. Et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests, de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires. Voilà, merci à tous et merci de nous avoir suivis.